Elle s'est confiée avec un peu de pudeur. Dans les colonnes de Téléstar, Laurie Tillman a accepté de revenir sur son changement de cap et notamment sur cette grande décision qu'elle a prise à 30 ans. Alors que l'ancienne Miss France a toujours tout fait pour les autres, elle a enfin décidé de penser à elle avant tout. Le cap des 30 ans m'a fait comprendre qu'il était temps de penser à moi, a-t-elle confié avec sincérité. Selon ses dires, elle avait besoin de se concentrer sur elle et sur ce qui lui fait désormais plaisir. Pour continuer à bien faire ce que j'aime, j'ai besoin de me concentrer sur ce qui me fait plaisir. Fini de faire plaisir aux autres en ne leur disant jamais non. Désormais, j'ai décidé de me dire oui à moi, a ajouté Laurie Tillman. Laurie Tillman séparée de Juan Arbiales. Si elle a changé de cap dans sa vie professionnelle, Laurie Tillman a aussi fait le choix d'avancer en solo côté cœur. Après 7 ans de vie commune et un mariage avec le chef Juan Arbiales, la jeune femme vole de ses propres ailes. Si est-ce le 17 mai qu'elle a annoncé sa rupture via son compte Instagram. Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu'après 7 ans de bonheur intense et d'une vie commune à 1000 à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément, écrivait-elle. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partagerons resteront intacts, si est-il la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. A-t-elle déclaré. Et depuis, la jeune femme qui n'a pas encore eu d'enfant semble plus lumineuse. Depuis leur séparation, les deux ex vivent en effet leur meilleure vie. We'll be right back.